Yoga bonjour et yoga bonsoir à toutes amis compatriotes et tout un collaborateur qui connectait nous tout partout dans le monde là. Nami quoi les amis nous merci Dieu moins content avec nous dans le sar. Li déjà midi. Est-ce que nous connaît c'est pas tout le monde qui gagne chance avec privilège ouais première partie dans journée et mardi qui 13 et joignant. Gen en pile monde même gens avec moi même avec qui t'est levé matin hein, mais qui pas là encore qui déjà traversé. Gen en pile l'autre qui couché sous cabane l'hôpital a souffri, mais moi même ensemble avec nous là, c'est pas parce que nous bon, c'est pas parce que nous dignes, mais c'est grâce c'est faveur que grand maître là qui gagne tout pouvoir. Zanset yo avec toute nation guinéo qui là qui protéger nous, qui couvre nous contre tout mal, contre tout accident. Quand toute vieille expédition, toute vieille nam, toute vieille attaque mystique, attaque visible et invisible qui était capable de river contre nous-mêmes, mais yo t'ai épargné nous, yo t'ai kimbé nous, yo t'ai guidé nous. À nous dire merci, yo mérité ça. Nous pour partager ensemble avec information yo cap dominer actualité à pour le ça, nous pour aller retransmettre pour vous journal Gazette Créole. Nous connaît Gazette Créole passé sur radio Vision 2000. Avec un staff nouvelle là, information yo sous pays d'Haïti. Il est midi. Écoutez Radio Vision 2000 sur www.radiotelevision2000.com. Retrouvez également en live ou en différé nos différentes émissions et éditions de nouvelles sur les pages Facebook, YouTube, Twitter. Votre radio. Radio Vision 2000, la radio qui vous écoute. Ça a passé en Haïti, à tous côtés sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, le journal qui apprend toutes nouvelles. Qui en Haïti, qui prend Boblo, la guéou dans deux oreilles. Gazette Créole, journal Midi, Radio Vision 2000. Bonsoir pour nous tous, bienvenue au journal Gazette Créole pour ce maintenant. Mais quelques points nous allons développer dans le journal ça. Il y a un certain nègre Gozam kidnappé collaborateur nous Marie-Lucie Bonhomme dans la Kaili dans le commune Taba dans 3h du matin. Bandit ont mené Marie-Lucie by vite l'homme innocent qui libéré Lyon Titan après, mais bandit ont saccagé Kaili journaliste là. Bientôt bandit Gozam qui attaqué pied et puis boulé en pile bagaille dans son auto qui s'est concessionné machine Honda à Karondaï à Yeswa pour lever mathématique toujours dans la commune Taba qui était connu en journée de tension. Aïe lundi à côté à pile coup de balle automatique tape chanté. C'est dans le contexte ça PNH a célébré aïe lundi 28 l'année existence li dans auditorium l'école police la Soudfray, directeur général à e police la France LB salier courage policier yo et puis féliciter yo pour travail y'a fait dans l'été contre gang pour rétablir sécurité dans pays. Depuis pays Jamaïque le ministre Ariel Henry dans un tweet renouvelé si pour gouvernement là avec agent et puis au commandement PNH là pendant les bail garantie la travail pour accompagner yon police puis professionnel puis dynamique puis performant et puis qui gagne équipement PM n'a rend hommage à policiers qui mourir dans l'exercice fonction. C'est en total 58 policiers qui mourent sorti juin 2022 arrivé juin 2023. Parmi eux, il y a 29 dans le mois janvier passé, d'après un rapport RNDDH qui dénonçait mauvaises conditions policiers à travail. Le code carré comme yo dans le pays Jamaïque, entre acteurs haïtiens sous crise pays d'Haïtien, doit finir journée mardi. Divers acteurs dénoncent l'intervention pour le ministre Ariel Henry avant dimanche dans le commencement raconte. Womba Banco souligne sa boisson qui est plus emblématique dans 75 pays à travers le monde. Après ça, World Statistique a publié hier lundi, boisson qui est plus emblématique pays d'Haïti. Ce n'est pas seulement Rhum, mais c'est Rhum Babanco. Merci Haïti, d'après sa PDG et Rhum Babanco Adelphine Gader, écrit sous compte Twitter. Présente au journal ça, Benjo Pierre, fait mon œuvre technique, et puis même quoi, c'est Léon Cœur Civil. Bonsoir Benjo, bonsoir tout le monde.
Une autre fois encore, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le développement premier partie journal là. L'idée dans 3h du matin, côté que et une trentaine nèg gozam rentré la caille collaboratrice nous dans la radio Marie-Lucie Bonhomme. Côté que yo allé ensemble avec lui dans propre machine pâle, mais menait lui by chef gang cap opéré dans zone invité l'homme innocent qui était libéré Marie-Lucie Bonhomme un petit temps après, mais bandi yo saccagé caille journaliste là. Gagné tout bandi exam qui attaqué et puis pillé boulé tout dans la nuit 12 pour lever 13 juin passé à son auto et dans la commune Taba et entreprise ça qui s'est concessionnaire machine Honda aka Hyundai a cherché pour qu'on y a agent sécurité alors que il y a pas contrôlé qui ça dégagé en dans entreprise là et commune Taba te connaît une journée tension hier lundi en côté en pile coup de balle automatique t'a chanté juste rivé zone académie police là sous route frais. C'est dans contexte ça Pierre Nacha célébré hier lundi 28 l'année existence li dans auditorium l'école police là sous route frais. Directeur général AI police la France LB salue courage policier yo et puis félicite yo pour travailler à faire dans l'été contre gang yo pour rétablir sécurité et dans pays a célébré principal là qui c'est et Pierre André Dumas et pendant qui t'a célébré qui t'a présidé cérémonie qui lycée et à Miragouane en Savo, elle lui rend hommage à policiers qui mourent dans l'exercice fonction yo pendant et lui fait connaître lui féliciter travail policier et policier a fait pour rétablir la paix malgré en pile nan yo pas gagné moyen pour yo travail et puis il y a pas goumen pour protéger vie à bien dans pays a en côté Pierre André Dumas. Sur cette occasion, nous ne pouvons ne pas rendre grâce au Seigneur pour ces belles années de notre police en Haïti. Cette noble institution, en dépit des limites, veille sur la cité, défend les plus faibles, garde la tranquillité de l'ordre, protège les vies et les biens et sert au maintien de l'équilibre social de notre vivre ensemble. Nous exprimons notre gratitude reconnaissante à ce corps de paix, aussi important que précieux, aussi ferme qu'engagé. Nous rendons donc un vibrant hommage aux officiers de police qui ont survécu les difficiles situations, les dangers, les périls de toutes sortes. Ceux qui ont survécu de manière héroïque contre toutes les terribles situations de souffrance et qui sont restés fidèles à leur mission, à leur vocation. Nous saluons avec honneur, respect, dignité ceux qui sont tombés au cours de leur mission et qui ont payé par leur vie la fidélité à leur appel. Métier de la police, la libelle, l'innoble, l'IFET pour moun qui gen cran, pour moun qui a vive avec dignité, pour moun qui croit tout bon, c'est pas seulement une carrière, mais c'est une vocation que le gagne. C'est pour ça, le renouvellement, fraîcheur ça, nous avons rejoint ni conviction, nous sommes capables de renouveler, nous avons plus enthousiasme, nous avons fidèle à l'idée de la police et résolution que nous gagnons. Métier police là, noble, mais l'exigeant, libelle, mais le difficile. Et le complexe en même temps périlleux. Depuis quelque temps, nous avons assisté à une police qui s'est réveillée et qui a montré à travers des faits que police l'a pas joué. Nous vous félicitons, chers officiers, officières de police, pour cette forme d'intercommunion, de complicité avec le peuple. La population vous est reconnaissante parce que nous donnons aux police pour peuple là et peuple là tout senti. Police la Mariavel, l'Imaria police li. Faut nous marier la paix avec la justice pour nous jouer une identité, la police là tout. La police a besoin donc que les autres acteurs, que le système judiciaire soit mieux organisé pour venir à son aide. Les policiers risquent la vie, l'arrêter au monde qui a pas de problème, et puis qu'il y a un système judiciaire à gueule, c'est tracas pour propre police ça. C'est pour ça que nous demandons, tout acteur doit contribuer pour venir en aide à la police là. La police seule ne peut pas tout faire, nous le savons. Mais elle peut pacifier le milieu ambiant. Travail pour la paix, ce n'est pas un bagage où fait jour, quelques jours. C'est pour nous apprendre à façonner, forger, polir avec amour, pour que pas un quartier qui chappe en bas, mais que vous n'arrêtez, ce sont des espaces perdus. C'est pour nous reconquérir tout espace perdu. Un pays pas doué qu'il y a des zones qui abandonnées, côté monde pas vivre en société, à vivre en bonne. C'est pour ça, nous devons mettre toute énergie, tout talent, nous, pour nous rentrer dans une dynamique
positive, constructive, pour nous kembe formation, nous toujours bien outillés, pour nous professionnaliser nous et renouveler et bien s'annouiller. On t'a écouté les déclarations, Monseigneur Pierre-André Dumas, commandant en chef à IPNH La France LB, salué courage policier yo et puis félicité yo pour travail à faire dans l'été contre gang Axam pour rétablir sécurité dans le pays à France LB. Policière, Madame, Messieurs, c'est avec un sentiment patriotique et combatif que je me tiens devant vous ce matin en qualité de commandant en chef des forces de police pour saluer votre présence à l'École nationale de police à l'occasion de la commémoration du 28e anniversaire de la police nationale d'Haïti. Par votre présence, vous témoignez une fois de plus votre engagement indéfectible à continuer à supporter cette institution républicaine qui, depuis sa création le 12 juin 1995, n'a cessé de manifester sa volonté de répondre à ses obligations constitutionnelles et légales, de protéger et servir, de garantir la sécurité et la sûreté des institutions de l'État, souvent dans des conditions difficiles liées au contexte sociopolitique et économique. Ce haut sens du devoir envers la population et notre chère patrie n'a pas été sans conséquence pour l'ensemble de nos vaillants policiers qui se sont engagés dans cette vie de sacerdoce au profit du bien-être commun. En effet, il y a de cela un an, je me tenais devant vous et devant toute la nation haïtienne au nom de l'institution policière pour prendre des engagements, de mobiliser toutes ses ressources, de mener une lutte ardue contre les gangs criminels et leurs complices pour que la paix et la sécurité reviennent dans les rues et les demeures. Grâce aux batailles livrées par nos vaillants policiers, avec l'appui sans faille de la population au regard de la loi, du gouvernement, des partenaires internationaux, nous avons pu aujourd'hui parler de plusieurs gains et réalisations obtenus en matière de sécurité. Vous avez écouté le directeur général à IPNH La France LB, 28e anniversaire police la dré occasion pour saluer courage policier yo malgré calmoyen yo gagné cap fait en pile sacrifice pour servir et protéger population d'après ministre justice Emily Prophète Milce en côté déclaration. C'est toujours un plaisir et un honneur pour moi de me retrouver avec vous policières et policiers tout grade et unité confondues pour célébrer un événement, surtout ceux qui ont un rapport direct avec l'histoire de la vie de la police nationale d'Haïti. Avant de m'attarder sur les circonstances qui nous réunissent aujourd'hui, je veux reconnaître en votre présence que beaucoup de malentendus, de mauvaises pratiques et parfois de décisions inappropriées ont conduit certains membres des forces de l'ordre à développer le sentiment d'être pris dans un piège qui les handicape, qui attise leur colère et qui les fait douter de la capacité réelle de la PNH à remplir sa mission à la satisfaction de tous nos compatriotes et concitoyens. En même temps, nous devons comprendre que l'ampleur du phénomène de l'insécurité et l'extrême violence qui la caractérise ont sévèrement impacté le moral de la population et de la plupart des agents des forces de l'ordre. Et je suis heureuse de constater que la police nationale d'Haïti a conscience des enjeux et de la complexité de la situation et fait du rétablissement de la sécurité, seule capable de garantir le fonctionnement d'un état de droit, la grande priorité. Depuis quelques mois, la police obtient des résultats probants et gagne des batailles importantes. Je veux publiquement féliciter le haut état-major, la chaîne de commandement de la PNH,
les membres des forces d'intervention, les agents qui risquent leur vie sur le terrain au quotidien parce que vous avez permis à la police de continuer à défendre ses valeurs, à tenir ses promesses et à être beaucoup plus exigeante envers elle-même en dépit des moyens limités. La police nationale d'Haïti a su, au cours de ces 28 dernières années, s'adapter aux situations qui se sont présentées à elle. Elle évolue avec la société et ceux et celles qui la pensent savent que rien n'est jamais totalement gagné, que le risque est là où on ne l'attend pas. La capacité de pouvoir faire face et regarder demain, c'est ce qui inscrit une institution dans la pérennité. Jodi a, pour nous célébrer l'anniversaire Police Nationale d'Haïti, pour réaffirmer confiance nous dans la police là, à tout effort la fait, l'innécessaire pour nous courber bien bas devant tout policier et policier qui victime pendant la première mission. Nous là pour honorer mémoire héros ça yo, et puis clé on est côté de passé, importance accent sacrifice la vie yo pour pays. Nous devons assurer nous pour pays par jamais oublié. Gagné pour le ministre Ariel Henry qui était dans le pays Jamaïque pendant que PNH a fêté 28e année d'existence, qui renouvelait le support gouvernement là, par agent et bureau commandement PNH là, pendant le bail garantie volonté, toujours gagné pour accompagner une police qui est plus professionnelle, plus dynamique, qui est plus performant et qui gagne équipement. Et Ariel Henry te rend hommage tout à policiers qui mouillent dans l'exercice fonction yo, et pays a toujours reconnaissant avec ka policier sa yo ki pa pè braver danger pour affronter bandi ak criminel yo, d'après sa chef gouvernement provisoire écrit nan yon tweet. Genye commissariat avec direction départementale dans divers régions nan pays a ki te organisé activité dans occasion 28e en existence PNH la. C'est pour tankou Cap-Haïtien, Okay, Jacques Mel, Port de Paix, Miragouane. Dans son sens nous prenons l'invito pour tande plus explications avec correspondant nou yo Jean-Wout Paul, Hans Jean-Louis, Alex Moïse, Jolie Saint-Justin avec Natacha Jean-Jacques. TDOM, tournoi football, défilé, parade avec divers discours, c'est quelques parmi plusieurs activités autorité de la police dans nos pays a organisé journée lundi 12 juin 2023 ça, pour marquer célébration 28e anniversaire création force police là qui déroulait dans tout pays. Parmi autorités qui participaient dans fête la police là, nous avons cité commissaire gouvernement Cap-Haïtien M. Edno Placide, délégué noir Augustin Pierrot, avec un représentant PAM avec Barreau, l'ordre avocat dans Cap-Haïtien. Directeur départemental Nord PNH là, dans le discours présenté pour occasion, passé en revue ensemble problème institution de la police là, rencontré pendant 28 l'année existence li, et qui gens policiers ont affronté problème ça yo. C'est ça que fait commissaire divisionnaire saluer tout courage et tout sacrifice li dit agent PNH yo fait pour protéger et servir la population. Franz Mathurin. Aujourd'hui, je profite de l'occasion de saluer de façon solennelle le courage, le dévouement et l'esprit de sacrifice de l'ensemble des unités de police du département du Nord en collaboration avec la population. L'institution policière a su maintenir un climat de sécurité satisfaisant au bénéfice des citoyens du Nord. Sous Bopal, délégué Noir salue tout travail la police fait dans la région pour sécuriser la population Noir. Pierre Augustin. De l'inspection générale, la direction départementale, aux unités spécialisées, jusqu'à vous tous, policiers et policiers, qui ont fait du département du Nord un lieu stable, sécurisé et attirant, considéré aujourd'hui comme un refuge pour les touristes nationaux et internationaux. Fondi, gen représentant programme alimentaire mondial PAM qui remet yon plaque honneur ak mérite à la police, notamment unité 8 mois, qui souvent accompagne l'enquête distribution y a fait dans nos pays. Jean-Paul Cap-Haïtien, Vision 2000. 12 juin 1995, 12 juin 2023, sa fin institution police la 28 l'année depuis li existé. Dans l'occasion pour marquer date ça dans ville Okay, gagner une messe eucharistique qui organisé dans grotte Fatima dans paroisse cathédrale Okay là en présence plusieurs autorités civiles, politiques et divers membres police nationale là dans le département. Après messe là, t'a doué gagner un match football qui organisé entre police nationale là dans sud
Akatisio dans département et puis dans la soirée dans hôtel La Crétonokay a bien tout une soirée gala pour policiers yo dans département Hans Jean-Louis depuis Vilokay Vision 2000. Leader religieux comme responsable politique du département sud-est là salue gros effort yo dit institution policière là a fait pour garantir sécurité vie et bien population. C'est qu'à curé paroisse cathédrale Jacques Mel révérend Père Samson Pierre qui pendant une messe action de grâce dit le pas joindre rien pour le reprocher à GPRH le département. Chers policières, chers policiers, je vous invite à être vous-même. Là où vous travaillez, soyez des partisans de paix parce que bagaille pas capable de rester comme ça, faut ça changer. Nous souhaitons si on courir pour ne pas courir pour mauvais comportement nous. Mais pour nous rester là, parce que même si vous cherchez à détruire le peuple haïtien, vous n'êtes pas capable de douiller tout. Même si vous ouvrez la porte pour un pile qui est pays, tout n'est pas capable de quitter le pays. Ce pays nous lié, Haïti doit renaître. Vive la nation haïtienne, vive l'institution policière haïtienne, au nom de Dieu. Je parle en connaissance de cause. Remercier le Conseil de sécurité à tout. Non, Cap font un travail qui est utile à tout département sud-est et dans le silence. C'est presque même constat pour délégué départemental là, Jules Pierre Michel Lafontaine, magistrat en après commune Jacques Mel, Lodi César, qui a même ôté chapeau devant travail PNH là, pour les reconnaître bien pile, travail sur plan sécurité. Qui était pour faire? Mais même magistrat Maki et directrice police là, ensemble de policiers qui là, au côté de nous réunir, nous jouons des formations souterraines, nous communiquons et des fois avec des interventions qui faites. Donc si on parle qui coordonner, bah, elle n'a pas fait comme ça, nous chita entre nous, nous réunir et nous porter des solutions dans la mesure du possible. Dans la commission que nous-mêmes nous gagnons ensemble avec Yoa, à chaque fois nous demandons, ou bien à chaque fois, ça m'a dit que des interventions qui faites et rapidement ils ont intervenu. Quel que soit ça, ils ont fait, ils ont obligé de quitter parce que moment les fragiles. Donc nous obligés de continuer de travailler ensemble. Faut que nous disions grosse satisfaction, Jacques Millier exprimé dans l'occasion de la célébration du 28e anniversaire PNH là. Ces résultats mariage PNH là avec Société Civile Jacques Millier à travers une commission sécurité qui était campée pour accompagner la police nationale là, notre travail à la fin du département sud-est là. Alex Mouy Jacques Mel, Vision 2000. Pour marquer 28e anniversaire Police nationale d'Haïti, direction départementale institution en Nord-Ouest organise une série d'activités. Parmi eux, une messe action de grâce matin lundi 12 juef 2023 dans la cathédrale Port de Paix, c'est chef du département. Cérémonie religieuse ça a été déroulée en présence au grade des PNH là dans le département. Plusieurs figures politiques et religieuses qui te répondent présents. Il y a un moment côté directeur départemental institution, commissaire divisionnaire Louis Edner Yacinthe, t'es profité pour le partager avec monsieur dame policier yo, message commandant en chef pour un petit bout de temps institution qui c'est France LB. Malgré difficultés, les policiers ont toujours mettez uniforme et prennent la rue. Avec tout risque qui gagne. Donc, le directeur est très fier de vous, il encourage vous, vous continuez, même gens. Vous ne pas baisser les bras, vous continuez la bataille avec bandits, la bataille avec criminels, pour porter un climat de paix et de sûreté dans la population pour vaincre l'occupation. Dans l'homélie de Constance Lee, révérend père Jocelyn Dorsé, mandé des policiers et policiers au fait de 28e ça, un moment de solidarité, pendant à réfléchir à des visions qui se protéger et servir. Il demande au mec grand monde sur pour répondre à plus gros défis en un moment qui c'est insécurité. Si vous vous acquittez correctement de votre tâche quotidienne, vous concourez vraiment au bien commun de la nation et au maintien de la paix. Ainsi, la police contribuera au développement du pays. Oui, nous connaissons déjà de vision. C'est sérieux. Et qu'on y a, pendant qu'on a pu conforter l'autre là, à nos gardiens, quelle qualité de service nous offre la population. Pendant qu'on a pris le service, nous avons un gros défi que nous faisons face à lui-même aujourd'hui. Le défi pour la police aujourd'hui, c'est de faire face à la violence. La violence engendrée par la volonté de certaines personnes et des groupes d'avoir plus de pouvoir et de richesse. Faut signaler, un jour avant célébration 28e anniversaire PNH là, responsable institution dans Nord-Ouest et organisé dans le lycée Tétulien Guilbeault, évaluation intellectuelle côté 50 aspirants policiers parmi aux 5 femmes te répondent présent. Jocelyn Jolissin, Port de Paix, Vision 2000.
C'est sous thème ça, on peut décoller à PNH pour sécurité blaye en Haïti. Yon mes action de grâce chantée dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, occasion 28e anniversaire police nationale d'Haïti, 12 juin 2023, en présence magistrat Vimira Gouanan, commissaire gouvernement, doyen tribunal première instance, directeur départemental police, policier, directeur différents bureaux déconcentrés dans la cité Fernand Iberla. Directeur départemental ni police Arsène Selmon, fait qu'on est, y a continué travail pour établir sécurité dans le département ni Arsène Selmon. Dans le moment que nous avons traversé là, nous connaissons un moment qui est très difficile pour la police nationale d'Haïti. Mais malgré vents et marées, nous n'avons pas baissé les bras, nous avons continué de bec et des ongles avec faible moyen que nous gagnons pour nous camper debout à côté de la population pour sécurité capable d'Haïti. Nous disons justice, Miragouana, commissaire, yo, juge, yo. Nous disons merci pour l'assistance et pour l'appui. Ils ont toujours dans nous, notre travail. Ils n'ont pas dormi, même j'ai avec nous. Quel que soit l'heure, ils sont toujours dans la rue, même j'ai les policiers, pour faire patrouille, pour courir des bandits. Et c'est ça qui permet la population de confiance dans nous. Encore, messieurs les commissaires, messieurs les juges, moi dis non merci, non non, police nationale d'Haïti. Conférence débat avec élèves différentes de l'école, notable villa, messe action de grâce, match football entre police et la presse, c'est quelques parmi activités, direction départementale ni PNHA, organisée pour marquer 28e anniversaire police nationale d'Haïti à Namiragouane. Natacha Jean-Jacques, Radio Vision 2000. Merci Natacha Jean-Jacques, et Jean-Claude Paul, tu as donné plus d'explications sur l'activité différents commissariats et direction départementale PNH là qui organisé dans le moment dans l'occasion 28e anniversaire existence police là. C'est un total de 58 policiers qui mourent sorti juin 2022 arrivé juin 2023 parmi eux 29 pour seulement mois janvier 2023 d'après un rapport RNDDH qui dénonçait mauvais conditions de travail policier. C'est directrice programme RNDDH. Contexte déroulement période sorti juin 2022 pour arriver juin 2023 que nous utilisons dans le cadre de rapport que nous faisons sortir, hein? C'est un contexte d'insécurité généralisée côté bandits ou tout, pas de jambes suspendre, attaquer policiers et attaquer postes de policiers. Pour période ça, justement, c'est pour pipiti 58 policiers que RNDDH ou censé qui mourit assassiné. Parmi eux, 29 mourir assassinés sorti janvier 2023 pour arriver juin jeudi. Nous recensons tout 13 attaques armées qui fait pour pipiti contre poste de police pour même période ça. Par exemple, commissariat sous commissariat Savane Pistache, Canaan, La Bouledouze, Pernier, Forjac, Mayotte et Port-à-Léogane pour département l'Ouest, commissariat Maïssad dans département Centre, commissariat Thierry-Rivière-la-Tibonite et Lester pour département la Tibonite là, yo c'est des postes de police qui étaient subi attaque pendant période que nous sommes dit là. Sous ça gain à condition travail même monitoring que nous fait dans commissariat avec sous-commissariat dans le pays, permettent-nous que les policiers travaillent dans des conditions qui sont extrêmement difficiles. De manière générale, dans le commissariat et sous-commissariat, pas gagné matériel de bureau. Et pour ça, gagné un matériel policier pour faire travail, tant que ZAM, munitions, bâtons, casques, boucliers, torches, gaz lacrymogène, machines ou soit motocyclette, si gagné, c'est soit défectueux, c'est soit pas suffisant. Mais il faut que nous disions que il y a des problèmes spécifiques qui sont liés à chaque poste de police que nous monitorons pendant la période ça et que nous avons partagé avec l'opinion publique. Tout. Par exemple, le commissariat Mirbalet dans le plateau central n'a pas gagné toilettes pour les policiers faire besoin. Sous commissariat Kafoubak qui est entre ville Jérémy écrasé et est toujours inondé. Dans Miragouane, depuis le 14 août 2021, après que le ministère des Travaux publics a dit que le local commissariat s'est écrasé pour reconstruire, l'autorité a mis le commissariat dans le local vice-délégué. Sauf que c'est un caille ancien qui n'est pas construit pour le servir de commissariat. De plus, c'est deux petites chambres policiers qui prennent dans le caille ça, qui ont fait tourner cellules pour être capable de quimber monsieur. Laissez les femmes arrêter, ils sont obligés à planter tout département ni plan avec eux, à chercher côté pour mettre dans l'autre poste police.
Commissariat Barader fait que inondé là dans date 3 juin 2023. C'est sous bloc pour policiers qui ont fait marel pour être capable d'entrer dans le bâtiment. Bâtiment commissariat Grand Rivière du Nord fissuré. Tête caille a coulé et les gens la pluie li inondé. Gè 4 années de ça, conseil municipal en Sagalé a écrasé bâtiment commissariat ça. Mais jounen jodi a, commissariat ça pour que jamais reconstruit. Ça fait que jounen jodi a, c'est dans deux espaces différents que autorité yo obligé éparpiller commissariat ça, une situation qui posait un pile problème.